Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Palmis là pour tout le monde qui monte, pas bon ici la première fois, pas oublier. On va aller pour faire ça, on va peser subscribe ou bien abonner et puis on va peser cloche là. Veuillez bien, c'est cloche là sur tout. Nous voulons porter un update pour vous sur, eh bien, yon kake, Supreme Court attendez là, qui involve Zandarele, moun kap mande asile. En fait, comprenez bien. Je voulais parler de yon bagage qui est expedit removal. Italien. C'est une situation côté que yo capable déporter rapidement sans pas passer devant juge. En fait, spécifiquement qui ça lié. Suivant la loi, depuis yo appréhendé sous frontière là, pas trop loin disons à quelques miles sous frontière là et que ou poko gen ou nan 14 jours en moyenne, eh bien gen yo prévoit pour ta faire ça relé un expedit removal pour ou. Justement, pour que vous ne pas même passer devant le juge. Ça fait, vendu bien dans quelle situation ça fait. On a dit que vous avez un peu sous frontière, mais que ou pas, attendez bien, ou pas, par exemple, là, vous faites un peu pas bien que vous posez une question. Et à ce moment de la durée, mon ami, mon ami dit que il y a des asiles, il explique que il y a une exécution ou pas. Maintenant, si au cours de cette interview, ça, ou pas convaincant, ça veut dire ou pas montrer ça, il y a un crédible. Fear, ça veut dire ou pas montrer que peur que vous avez pour tourner la caoua crédible. À ce moment de la durée, vous êtes capable de tout dire que ou pas admitted. Et que vous mettez dans un darrelé, vous expedit removal, ça veut dire une déportation, eh bien, sans que vous n'y décidez même là, sans que vous pas même passer devant le juge. Maintenant, quand ça, c'est de ça dont il s'agit. Ça veut dire que ça, suivant ça passé, en fait, suivant décision, vous prenez le prendre. Il n'y a pas de grande implication sur le monde qui a demandé asile. Parce que, à clou dit, il pense que même à quelques mailles de frontières, le monde a gagné droit pour faire à pile. Parce que ce qui passe dans le cas, c'est que là, on prend expedit removal, on n'a pas grand recours. On est expliqué. Donc, le Supreme Court d'accord pour le prendre en case là. Parce que, là, on a montré que, eh bien, le monde a supposé qu'il a gagné droit pour le. Mande yon review de décision sa ki pran. Parce que, normalement, pas la voie la, j'en lié, c'est que, lorsqu'on prend un expedit removal, yon pa bon droit pour faire un ken recours. Pas grand ken recours. Non seulement pas passer devant juge, pas grand ken recours. Et c'est de ça dont il s'agit. Yon tap, par exemple, genye na circuit court appeal, justement, qui te commenté, mais ça a été dit dans l'opinion. Yo te dit que effectivement moun sa yo ta supposé au moins des possibilités pour yo tande yo pour yo mande si yo mande en review si yo font appel donc ces situations ça que yo pral tande nan Supreme Court moun ki concerné par li c'est surtout yon jeune homme qui sorti nan Sri Lanka yo te kembel sou frontière là à quelques, pas même mais, non, 25 yards sous border US-Mexico. Hein? Et que, yo te vin mette, monsieur, sous expedit removal. Ça veut dire, on va qui fast track, rapide pour le déporto. Parce que yo permet de le déporto sans patin devant le juge. Monsieur te expliqué persécution qu'elle te subi dans le pays. Eh bien, officier, officier qui réglait aussi dossier asile, il était déterminé que monsieur Saltab dit a pas de crédible, c'est qu'il a dit peur qu'il casse une persécution. Ok? Eh bien, il a affirmé décision, ça a été tout déporté. Les annoncés ont expédié removal. Il va en même temps d'eux même. Ok? Et donc, suivant la procédure, ça, depuis qu'il a refusé ça, ou pas éligible pour ta challenge, finding, pour ta challenge décision ça. Pour ta fond à pile. C'est ainsi que M. Talé dans le Federal Court, li, avec le conseil avec Akou, li argumenté que décision ça a violé le droit constitutionnel. Ça veut dire, en fait, argument, c'est que la constitution, il a supposé appliquer sur quel que soit ce territoire-là. Et, comprenez bien, là, M. fait à pile, district court dit, on va pas attendre, parce que suivant loi, il n'y a pas de droit pour le faire à pile. Ok? Je dis pas qu'à Kembel. Mais yo dit que loi ça a violé
yon bagay ke yon le clause de suspension. Parce que même yon non-citizen, li genyen des opportunités pour démontrer que effectivement, l'on a fait le mal parce que yon pa bal doa. Yon kembe li yon pa bal doa pou yon tendel. Donc c'est ça que qui vient là. Donc en clair, libre dit qui ça. C'est effectivement parce que Trump gagne temps fait grand temps à la pile ba ça parce que comprendre si on gagne fait du procès ça, libre dit que kounye là tout le monde. Tendez bien, tout le monde que yo ta prend décision expédite removal contre yo, il y a bien droit pour faire appel. OK, et appel là ba au plus temps, yo ka rete dans pays là et yo ka gagne appel là tout. Et ça veut dire. OK? Donc c'est discussion ça qu'a fait là au niveau de Supreme Court et effectivement suivant Jean Tranché du Palbay et en pile opportunité avec des séries de monde qui a demandé asile. Mais entre parenthèses, nous voulons tout gon l'autre bagaille qui gant en bloqué qui toujours concerne même bagaille ça. Nous songe Trump t'es besoin étendre même loi ça, il t'a voulu faire d'abord en guise de 14 jours de faire pour 2 ans. Et li te vle tout fait pour te ka n'importe côté ou jwenn nou sou territoire là depuis ou poko gen 2 ans pour te mette dans expedite removal. Monsieur te vle élargir, yo bloqué monsieur la justice son dossier k'ap continuer. Mais ça n'est pas tout bon là, c'est pas ça Trump te défa, mais ça te là déjà. C'est li ou pral attaquer là. Pour dire que mais moun ça allait ou mette le dans système ça, li gen droit pour le faire appel et c'est ça k'ap discuter dans Supreme Court. Donc ou ka comprendre, suivant décision Supreme Court pral prendre, c'est comme quoi li gen droit un bloc. Un bloc pour Donald Trump qui depuis le monté cap goumé avec cause asile là ouais qui Jean li capable bataille avec parce que c'est une structure qui permet en pile monde entrer dans pays là sans structure qui backlog qui fait qu'en pile monde appliquer pour lui. Donc c'est une situation que n'a suivi dernier update qui gagne sous lui n'a porté le pour lui. Jean toujours dit ou lui rester branché connecté avec nous pour capable joindre toute dernier update ça cap sorti ça cap parler sur cause immigration pas bon ici aux États-Unis pour capable rester connecté. Portez-nous tout bien.